Quand on se connecte à son vrai bonheur personnel, eh bien, on est plus relié aux autres. Parce qu'on a plus de bienveillance pour soi, on se connaît mieux, et du coup, on a cette même bienveillance et cette même aussi envie d'action et de faire des choses avec les autres qui s'ouvrent. Parce qu'on a moins peur du monde, quoi. Quand on est heureux, en général, on est beaucoup plus ouvert. Happy Lab, c'est une association qui a pour mission de faire monter la France sur le podium des pays les plus heureux au monde. On fait des après-midi avec des conférences et des ateliers sur le bonheur, le thème du bonheur. On va faire venir des psychologues, des philosophes, des extolards, toute personne qui a une expérience de vie qui peut nous apprendre à aller plus loin, aller plus haut, à être plus heureux. On fait des cafés un peu partout en France. Donc il y a des gens qui créent leur café dans leur ville et tout le monde se réunit le premier dimanche de chaque mois autour d'un thérapeute, quelqu'un qui va nous apprendre une technique manuelle ou une technique mentale pour être bien dans son corps, dans sa tête. On prépare un livre et puis on prépare une tournée et puis en fait toutes les actions qu'on peut faire pour propager ça, parce qu'on pense qu'en fait le bonheur collectif il passe aussi par connaître son bonheur individuel. Et on va aussi en entreprise. Notre grand but c'est que l'entreprise participe aussi à ce mouvement. Tu travailles sur le bonheur, c'est la crise, c'est peut-être pas le bon moment, mais c'est le meilleur moment. Ça me permet de rencontrer des gens extraordinaires, on est tous extraordinaires, mais ça me permet de passer mon temps à rencontrer des gens qui toujours me ramènent aux essentiels. Sinon, j'ai fait les bonnes rencontres au bon moment. On nous a donné l'argent dont on avait besoin au moment où on en avait besoin. On roule pas sur l'or. Mais l'association a grandi au rythme auquel elle avait besoin de grandir. Donc ça, c'est déjà énorme. Il y a des gens qui nous rejoignent dans Happy Lab. Et du coup, eux, ils viennent aussi avec leurs pattes, eux, avec leurs envies, leurs idées. Du coup, il y a des projets qui naissent comme ça. Et puis chacun prend possession de son projet et nous, on accompagne, quoi. De vivre ça, de vivre Happy Lab et aussi les super bonnes relations qu'on a entre nous au sein d'Happy Lab, ça donne plus de tonicité, de vivacité, de joie à la vie. Je suis comblée d'avoir trouvé une aventure professionnelle qui me donne du sens et donne du sens à d'autres. Travailler doit être quelque chose qui donne autant que ce qu'on donne au travail. Du coup, on peut... Happy Lab, moi, ça fait des années, ça me nourrit et je le nourris, ça me nourrit. Et chacun dans l'association fait ça. Le jour où Happy Lab te nourrit plus, par la joie que ça peut t'apporter de rencontrer, de créer ces événements, de voir aussi la gratitude des autres, et bien à ce moment-là, t'arrêtes et tu fais autre chose. On voudrait partir en tournée avec nos meilleurs intervenants, faire un spectacle interactif avec des vraies clés, justement. Parce que si notre but est de faire monter la France sur les podiums des pays les plus heureux au monde et que ça passe par chaque individu, bah, plus on ira rencontrer de gens en France et plus ce sera possible. Donc la tournée, on imagine Happy Lab et dans le Pré, ce serait un grand festival sur le bonheur, plusieurs jours en pleine pampa. On cherche un lieu magique, un lieu qui déjà nous met en émerveillement quand on arrive. Pourquoi pas un magazine un jour, pourquoi pas un documentaire.